Hey, salut tout le monde, c'est Pedro. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le, je crois c'est le 9e épisode de ce Let's Play sur The Last of Us sur PlayStation 4. Alors, on s'était quitté, on venait d'arriver ici, regardez, là dans le métro. On vient de d'ici, regardez. On avait ramassé les trucs, bah regardez, il y en a encore, encore ici. Petit bug, peut-être, je sais pas. Hop, on ramasse. Petit truc. Regardez, il y a même encore le bocal avec les trucs là-bas. Bon. Voilà. Donc alors, la première fois que j'étais ici, j'avais galéré pour sortir parce que je n'avais aucune idée d'où se trouvait la sortie. Regarde sa manche. Une Bon, luciole. alors j'en ai pas Ouais. la moindre idée non Il plus tombe là comme des mouches maintenant, quand mais il va à bon. l'extérieur. J'espère qu'il va bien. Je pense Ok, que je vais parce que trouver je beaucoup dois plus avoir un facilement. rendez-vous. Alors on va fabriquer le petit truc, nous espérons. Voilà. Alors, je crois que là c'est bon, j'avais ramassé ce qu'il fallait. Et donc on part du coup, alors voilà, on part ici, voilà, c'est ici. Et voilà, et un zombie, on le voit déjà. Et je crois que cet endroit c'est le plus flippant du jeu. Enfin, pour l'instant, selon là où j'ai avancé, pour moi là c'est un des endroits les plus flippants du jeu. Vous voyez, c'est déjà un peu le bazar. Et là, on finit de gâcher tout mon serin, là. Et ben voilà. On est du mort. Ça, c'est le mode normal. Bon. Alors, il y a toujours les... Ouais. Alors attendez, je vais revenir un peu en arrière car deux souvenirs il y avait. Voilà, oui, je suis sûr, là il y a un surin, voilà. Ah, j'en ai déjà trop. J'en ai trois, je peux pas en avoir plus. Bah ok, écoute, on va faire comme ça. Et voilà, punaise! Et pourtant j'en ai un sur un, je sais pas pourquoi, ça veut pas me. Ah ben voilà, là ça a marché. Je vais aller récupérer celui qui est là-bas du coup. Comme ça, on aura fait le plein des surins. Hop. Là, je crois qu'il y a les balles toujours, ouais, parce que des fois les trucs changent. Bon, là, il y a des balles. Donc on a déjà. Faut qu'on y aille furtivement. Ah, j'aurais peut-être dû l'étrangler. Ah ouais, c'est con. Du coup, je viens de gâcher un surin pour rien. Bon, c'est pas grave. Le souvenir, on en trouve quand même pas mal par ici. Bon, allez. On continue. Ouais, j'ai déjà ma... truc en bois. Ah. J'espère qu'il y a un truc là-dedans.
Une note. Chercher un truc à leur balancer dans la gueule. Alors je vous dis, ce moment du jeu fait quand même assez flipper. Je vais vous dire, il est nul, mais bon, moi ce truc là je l'ai fait que en facile, donc là c'est en normal, donc c'est un peu plus compliqué. Elle m'a fait peur, hein. Bon, on va aller chercher l'autre surin du coup. C'est dommage qu'on puisse pas s'en servir d'un pour plusieurs zombies. Bah après c'est sûr que c'est plus facile. Ah, il y en a un ici. Parfait. Donc du coup je suppose que je peux pas récupérer celui-là. Bah non, ça c'est chiant aussi. On va y aller. Toujours les deux armes. On va l'étrangler du coup celle-là parce que... Alors je dis pas grand chose parce que je suis en mode stress aussi. C'est ça qui est un peu spécial. Il y a rien là-dedans. Et elle est discrètement. Alors les surins, vous pouvez en utiliser plusieurs par zombie. Alors en fait c'est parce que si on appuie longtemps, si on appuie assez longtemps, on pourra en utiliser qu'un seul. Ça suffira. Et là j'en ai plus. Donc j'aimerais bien revenir là au point de départ. J'aimerais bien revenir là où on était tout à l'heure. Pour pouvoir récupérer celui qu'on avait là-bas sans se faire prendre de préférence, parce que là je sais même pas si je les ai tous tués encore. J'aimerais bien pouvoir encore le récupérer. Ouais, on peut. Parfait. Alors on retourne par là du coup. Alors j'ai aucune idée, je vous ai dit, de si on les a tous tués ou pas, donc on va bien voir. Il y a un truc qui brille par là. C'est quoi? Une bouteille. On va reprendre par ici. On va voir s'il n'y a rien à récupérer là-dedans. Ah voilà, il y en a bien. Ah, j'adore ça, leur éclater la gueule.
Est-ce qu'il y a des trucs à prendre? Oui. Ouh, 50. Claqueur. Ouais. Punaise. Ah, les cons. Ils font peur. Là, il y a plein de trucs à récupérer. J'insisterai jamais assez là-dessus. Pour... Ah non, je préfère garder ma brique. J'insisterai jamais sur tous les trucs qu'il faut absolument récupérer. Bon, là. Ça. Et on va repartir. Non, ça doit être bon là. Des bouteilles et des briques, on peut en ramasser partout. C'est un truc de malade. Il y en a vraiment partout. Bon. Alors. C'est ça qu'il fallait faire. Allez, monte. On regarde toujours s'il n'y a rien à reprendre. Voilà. Putain, on a réussi. Tout le monde va bien. Ouais, ça a été difficile. Alors vous devez vous dire, il est nul, mais plutôt bien, tous les deux. En normal, je trouve que c'est difficile. Enfin, pour moi. Vous venez d'entendre, il a dit c'est de la chance. Bah, il a raison. Et là aussi, il faut surtout pas entrer dans la maison, car j'ai le souvenir qu'il y en ait beaucoup. C'est par où, Tess? Le capital est dans cette direction. Où ça? D'accord, ok. Alors ce qu'on va faire, vous savez, c'est qu'on va balancer un cocktail Molotov là-dedans. Parce que je sais qu'il y en a. Hop. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Ok. Ils ont été infectés récemment. Ces soldats viennent de se transformer. Ça veut dire qu'il y en a d'autres dans les parages. On se tire. Alors. C'est parti. Ah, attends, avant de prendre ça, je regarde s'il n'y a rien à prendre. Ah. Ok. Bon. On va faire ça. Voilà. Alors c'est reparti. Ouais, bon, allez, hop. Allez. On va pousser ça. Ok. Voilà. Allez. Grimpez là-dessus. Voilà, voilà. Là, on continue toujours en direction du Capitole. Et là, on va ouvrir ce machin. On pourrait couper par là. Ouais, ça a super bien marché. On va souffler pas vite. Quoi? J'entends que dalle. On accélère. Oh, allez, accélère, il y a les zombies qui arrivent. Ils arrivent. Bah oui, on a compris. Allez, allez, allez. Voilà. Ça doit faire mal au bras, c'est sûr, mais bon. T'as un truc sur ta chaussure? Effectivement, t'as un truc sur ta chaussure.
Alors, re tout le monde, alors on s'était quitté avec la limite de 15 minutes. Donc voilà, on était là. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à ramasser ici. On va voir si on peut On améliorer irait les là-bas à armes. l'emplacement. Alors là et là, non. Ici, non. Ah, c'est déjà. Ok, bon, on ne peut rien améliorer pour l'instant. On n'a pas assez de trucs. Alors je sais que l'épisode sera peut-être pas très long, mais on va s'arrêter là et on verra ce qu'il y a sur cette porte dans l'épisode 10 déjà, je crois. Ouais, c'est ça l'épisode 10. Donc voilà, c'était Pedro. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne, sur Video Gaming QG et aussi sur la chaîne de Delta, même s'il ne fait plus de vidéo en ce moment, ou alors peut-être qu'il aura repris le moment où cette vidéo sera en ligne. Donc voilà. Allez, salut tout le monde.